tout ce qui se fasse à la télévision, c'est un grand effort. Sachant que ce qui se passe pour la production, on a une production qui est très faible. Et automatiquement, les retombées sont sur la nature de la production elle-même. Alors, il faut beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait un management. Il faut qu'il y ait vraiment une belle programmation. Il faut qu'il y ait de l'argent aussi. Et il faut qu'on abolisse ce programme de cahier de charge et tout ça. C'est des conneries pour moi. Parce que nous sommes des artistes et on n'est pas des entreprises qui construisent des villas ou des usines et tout ça. Il faut oublier ça. C'est une négociation entre l'artiste et les gens qui connaissent leur cible, c'est-à-dire les responsables de la télé. Plus jamais ces paperasses, ces trucs administratifs, il faut oublier tout ça. On est des artistes. Il faut évaluer les choses d'une manière. Il ne faut pas imposer un prix pour une telle œuvre. Chaque artiste a son prix. Chaque œuvre a son prix. Et chaque œuvre a sa façon de se faire et être exigeant. Là, malheureusement, on donne deux dossiers. Il y a le dossier technique et le dossier administratif. La première des choses qu'on voit, cette commission, il y a plein de commissions. Il y a des commissions et des commissions. Il y a des commissions qui sont matérialisées, il y a des commissions en pourcentage, il y a des commissions de gens. Moi, je parle bien sûr des gens, je suis honnête, je suis direct. Alors ces gens-là, la première des choses qu'ils ouvrent, c'est le côté administratif. S'il manque un papier, le dossier est rejeté et la création, on l'oublie. Moi, je dis, il faut d'abord voir la création, voir le sujet, voir si on peut faire quelque chose. Et après, la paperasse, ça peut se faire. Même si une société qui doit être créée, il peut être créé. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on a aiguillé nos efforts vers le côté administratif et on a oublié le côté création. Et c'est ça notre problème.